approcher, Alex. Ça marche. À toutes. Taylor bosse pour le bas. C'est un grand connard baraqué avec plaque faciale complète. C'est lui. Il est armé. Il est dangereux. Et ne répond pas aux tentatives de contact. Sur le point de finaliser le plan. Et ? Vous en êtes où ? Y a plus qu'à résoudre une petite divergence de point de vue. Avant Night City, on a bossé sur une OP en Colombie, à Medellin. La première pas mission maintenant, de sang. On a assez à faire sans déterrer cette vieille histoire. Vous pourrez me la raconter une autre fois. Je suis d'accord. Bien, je vais te montrer ce qu'on a. Étudier les infos présentes sur l'éclat que Somi nous a donné. Ça nous donne une base solide pour la mission qu'on veut lancer. Surveillance, reconnaissance, collecte de données, planification, tout est fait. Il est grand temps de réparer certaines erreurs du passé. Oh, Reed, c'est bon, là. Arrête de t'auto-flageller, ok? C'est pas du tout de ta faute. C'est une grande fille, elle a pris ses propres décisions. Et elle a pas réfléchi aux conséquences. Non, elle a été manipulée. Et elle avait absolument personne autour d'elle pour la soutenir. Regarde l'éclat, et les détails de la mission sont dessus. Arrête de t'inquiéter, Reed. On va la sortir de là et la sauver. Je sais. Et c'est valable pour toi aussi. On va te sauver. Bon, notre objectif, c'est de libérer Somi des griffes de Hansen. Malheureusement, c'est pas une OP de sauvetage classique. Parce qu'elle a été infectée par un truc de l'autre côté du mur noir, en échange de ses services envers les NUSA et la présidente Myers. Je vais pas faire semblant de comprendre les détails techniques, mais ce qu'il faut retenir, c'est que si on la soigne pas, elle va le mourir. Remède, c'est une IA qui vit sur une matrice neurale. Et cette matrice, c'est Hansen qui l'a. On doit la récupérer. Ok. Et du coup, c'est quoi le plan ? Hansen a prévu de rencontrer nos fameux Netrunners. Et cette rencontre sera l'occasion pour nous de nous rapprocher à la fois de Song et de la Matrice. Hansen a fait appel à ce duo français parce qu'ils ont bossé pour Militech il y a quelques années. Ils connaissent leur protocole de sécurité comme leur poche. Et ils vont vendre les codes d'accès à Hansen. Codes qui seront utiles quand Songbird ira extraire la matrice de l'ordinateur central de Sinosure. Hansen veut mettre la main sur les données d'un projet de recherche secret impliquant Militech et les NUSA.
mais il sait pas que la matrice neurale fait partie du lot. On a les scans et les empreintes comportementales des deux runners. Il nous reste plus qu'à retirer les jumeaux de l'équation. Alors on va les kidnapper. Comment on s'y prend ? Ils roulent en voiture de location à Night City. Ça fait une ouverture à exploiter. On va localiser leur caisse et en prendre le contrôle, avant qu'ils arrivent au stade pour voir Hansen. C'est là que t'interviens, V. Il va falloir que tu pirates le système de localisation du loueur. Alex t'expliquera ça plus tard. Une fois qu'on a les runners, vous prenez leur place. Leurs empreintes comportementales sont déjà calibrées. Ça nous amène à la dernière étape, c'est ça ? La rencontre avec Hansen ? Exactement. Vous allez lui vendre les codes d'accès pour l'ordinateur central. En d'autres termes, la clé pour déverrouiller votre armoire à pharmacie. L'un de vous rejoindra Somi dans le labo pour saisir les codes le moment venu. Hansen gardera probablement l'autre avec lui, comme garantie. Je resterai avec Hansen, toi t'iras retrouver Songbird. Une fois l'accès aux données déverrouillées, tu me fais signe. Je désarme Hansen et je le descends, lui et ses gardes. Donc filer un tréplat à Hansen, c'est obligatoire. L'ordre vient tout droit de Myers. Et à ce stade, c'est confirmé. Il a essayé d'éliminer la présidente des NUSA, c'est comme ça. Et Songbird ? On est là pour la sauver. Myers te l'a dit elle-même. Tout est clair ? Si t'as des questions, c'est le moment de demander. Tout est clair. Plus qu'à se mettre au boulot. Bon, ces runners, on les enlève comment ? Une minute. On va y venir. On va s'y prendre comment pour intercepter les runners ? Ils roulent en voiture de location. Le plan, c'est de pirater le système de l'agence de Locke. Caron Exotics, spécialisée dans les modèles rares. Elle a des stations de localisation partout en ville. Il y a une station pas loin. Près de l'église Serenity Bible de Pacifica. Donc, je pirate la station et je localise la voiture. Bien, et ensuite ? Utilise ce petit gadget. Il va déverrouiller les portières et aussi te donner le contrôle complet depuis le coffre. Ça a l'air simple, dit comme ça. Une tech qui coûte des milliers peut grandement faciliter n'importe quel plan. Quand tu penses être près d'une station, scanne les environs. Elles sont pas cachées, elles devraient pas être dures à repérer. Je me mets au boulot. Écoute-moi, je peux pas te parler longtemps, mais deux choses vite fait. La première, c'est une bonne nouvelle. J'ai réussi à mettre à jour le micro-logiciel de ta relique. Tu vas comprendre dans une minute. Mais t'inquiète, c'est sans douleur. T'as dit deux choses vite fait. Alors il y a encore autre chose ? Ouais, c'est super important. Et il faut que ça reste entre nous. C'est une preuve de ma confiance. Je t'envoie des coordonnées. Viens me voir de nuit. On devrait pouvoir parler librement. Bon, je dois filer, mais on se voit bientôt. Thank you.
Vous partez tous, sans vous retourner. Maman, dis pas ça. Super. On a un problème, Alex. Il va falloir pirater plus qu'une station pour recréer la clé de cryptage. Ah, fais chier. Laisse-moi une seconde. Ok, il y a une autre station que tu peux essayer. Attends, je vais me connecter à la station à distance. Ça pourrait nous faire gagner du temps. C'est pas con. Bonne chance à toi. Et préviens Reed dès que t'as la clé de cryptage. Ouais. Nous y voilà. Toi et moi, face à face. Cet endroit, j'imagine que tu l'as pas choisi au hasard. T'imagines bien. Je voulais te montrer un truc, c'est important pour moi. Et c'est la preuve que je te fais confiance. Viens par ici.
tout. Chaque centimètre est spécial. Ça me rappelle Brooklyn. Tu rêves d'y retourner, c'est ça? On peut pas revenir en arrière, V. Quand on réalise que quelque chose nous manque, il est généralement trop tard. L'attaque contre Myers, je sais que tu l'as organisée avec l'aide de Hansen. Ouais, c'était le prix à payer pour la matrice neurale. Tu l'as trahi. Pas seulement elle. Rien ne s'est passé comme prévu. Alors c'est quoi qui était prévu? Sauve Myers pendant que je récupère la matrice neurale et qu'on se casse d'ici. Tout ça avant qu'Hansen réalise. Mais Hansen a changé les termes de notre accord. Il sait qu'il sera tenu pour responsable de l'attaque, alors il cherche... Il a aucune idée de ce qu'il y a sur l'ordinateur central de Synosure. Il dit que ses données sont mon billet pour la liberté, mais... Dès qu'il les aura récupérées, je serai morte. Je le sais. J'ai complètement merdé. Je comprends toujours pas pourquoi t'as fait ça. Il y avait vraiment pas d'autre solution? J'aurais pas fait ça, s'il y avait eu d'autres solutions. Pour Myers, les NUSA, je suis juste une arme de plus dans leur arsenal. Et une arme ou un outil, ça a pas le droit de prendre des décisions ou de partir à la retraite. Je connais trop bien ça. Je doute que quiconque comprenne ce sentiment mieux que toi. T'es la seule personne à qui je peux me fier. Après tout ce que t'as entendu, une dernière question. Tu me vois toujours de la même façon? J'ai l'impression que c'est la première fois que t'es sincère avec moi. Ouais, avec toi et avec moi-même. Il faut que je m'éloigne. De Kurt, des NUSA, de Reed, de tout. Night City est qu'une étape sur ton trajet pour fuir. C'était le plan depuis le début, pas vrai? Ouais. C'est juste que... les choses... se sont compliquées. Je m'attendais pas à ce que mes anciens tchoums de l'agence s'en mêlent. Je dois m'enfuir, V. Partir d'ici. Ok. Admettons que je te crois. C'est quoi la suite? On exécute la mission, on récupère la matrice neurale. Et quand Reed et Alex seront occupés à gérer Hansen, on s'éclipse. Et ensuite? Tu m'aides à quitter la ville. J'ai déjà un accord avec une clinique clandestine, loin. Très loin de Night City. Là-bas, leurs chers Q-Docs pourront accéder à la matrice et utiliser un algorithme pour créer un prototype de notre med. Il faudra que je sois présente pour qu'ils effectuent leurs tests. Voilà. Tu sais tout. Franchement, ça m'enlève un poids des épaules. T'es impliqué là-dedans parce que tu me comprends ou... parce que je t'ai promis de te sauver la vie? C'est évident que c'est parce que je veux aussi rester en vie. J'apprécie ta franchise. Je crois qu'on s'est tout dit. Tu devrais appeler Reed et le prévenir que tout est prêt pour... V, s'en est où? Somi m'a contacté. J'ai du nouveau. Je t'écoute. Tout d'abord, on a le feu vert. Notre VIP est prêt à être servi. Ça fait plaisir à entendre. Quoi d'autre? Songbird m'a un peu parlé de sa situation. Ça se présente mal. Très mal. Cette tech, c'est sa seule chance. J'ai bien compris. Je t'assure. Raison de plus pour se concentrer sur notre mission et pour mettre la main sur ce remède. Dernière chose, V. Il te faut du nouveau chrome. Un implant pour recevoir des empreintes comportementales. Je t'envoie les coordonnées d'une clinique. La doc est prévenue de ton arrivée. Il y a la charcutoc que tu sais qu'elle collectionne les objets de la guerre d'unification. Elle saura que tu viens de ma part.